Bonjour. La table ronde sur les métiers de l'aéronautique et ses formations est ouverte. J'ai pour invité Monsieur Laurent Bousco, qui est chef des travaux au lycée Dassault de Rochefort, Monsieur Thibaut Dahan, qui est adjudant-chef armée de l'air, et Monsieur Pascal Renaud, qui est directeur opérationnel à l'aérocampus de l'Académie de Poitiers. Les métiers de l'aéronautique sont très diversifiés et complémentaires. Leur avenir est assuré. Ils tiennent le cap de l'innovation et de la haute technicité, malgré les turbulences traversées, turbulences qui sont bien connues dans le monde aéronautique. Présentation d'un panel non exhaustif des métiers aéronautiques et de leur formation, c'est notre projet. De vous présenter leur conception, la construction et la maintenance dans le domaine civil, ainsi que les usages militaires, donc du transport et de la défense armée, qui a toutes ses spécificités et son encadrement réglementaire. Pour la motivation de cet atelier, il y a bien sûr son intérêt industriel, mais il est parti de mon initiative. Je suis donc Philippe Durand, directeur du Centre d'information d'orientation de Jonzac et de celui de Royan. Je suis passionné d'aéronautique, formateur au BIA, vous connaissez peut-être dans les établissements scolaires et les universités, le brevet d'initiation aéronautique, qui prépare une culture aéronautique et peut donner des points sur au moins la formation au diplôme civil de pilotage. Pilote privé pendant 20 ans et président de l'aéroclub de Touraine, avec l'espoir de reprendre le manche prochainement. Parce que quand ça nous tient, le virus, on l'a et on est content de l'avoir. Je viens de Touraine, grande région aéronautique. J'étais abonné à la base école de chasse, BA 705 de Tours, et j'ai la consolation de la suivre dans son déménagement à Cognac, en m'installant en Charente-Maritime, en acceptant un poste de directeur de CIO à Jonzac. Je découvre avec un grand plaisir les pépites aéronautiques de Charente-Maritime. Les pépites historiques, par exemple, Saint-Exupéry lui-même s'est posé le premier sur le terrain improvisé de Jonzac en 1940, dans la triste période que l'on connaît. Industriel, pépites industrielles, alors on a des noms d'entreprises comme Stelia, Voltaéro à Saint-Sulpice-de-Royan, Stelia à Rochefort, Aérocomposite, LPCO pour la maintenance et l'aéropole Antoine de Saint-Exupéry, qui est une pépinière d'entreprises aéronautiques à Jonzac, pour ne citer que celle-là. Pépite pédagogique aussi, alors le BTS aéronautique et BTS Europlastique Composite au lycée Marcel Dassault à Rochefort. On peut dire aussi, entre parenthèses, de ne pas oublier les formations en amont, donc les bacs pro du secteur. Alors chacun se présentera, puis répondra à vos questions sur la deuxième partie, après toutes les interventions. Si vous le voulez bien, on en prendra aussi les questions sur Internet qui apparaîtront. Donc, Monsieur Thibaut Dahan, si vous voulez bien commencer. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'inviter sur ce plateau. Donc je dispose de quelques minutes pour vous parler de l'armée de l'air et de l'espace. Donc je suis actuellement, j'ai ouvert un centre d'information, donc le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées à La Rochelle, où on peut venir vous accueillir et vous informer sur les métiers, les différents métiers que propose l'armée de l'air et l'espace. Aujourd'hui, on est une armée qui recrute beaucoup de jeunes. On a un peu plus de 3 000 recrutements dans tous les domaines. Et surtout, le recrutement s'étale du niveau 3e jusqu'à des niveaux bac plus 5. Voilà. Donc, nous avons bien sûr des pilotes, mais nous avons 50 métiers différents, des métiers qui sont transposables dans le civil et des métiers bien spécifiques. Des métiers bien spécifiques sur l'avion, des métiers spécifiques de l'informatique. Voilà. Donc nous avons des grands domaines dans l'armée de l'air et l'espace, qui partent des métiers en tant que technicien sur l'avion, donc des métiers de l'aéronautique, des métiers qui sont des métiers des SIC, donc des systèmes d'information et de communication,
Nous balayons aussi également le contrôle aérien, l'infrastructure, la logistique, et ensuite tous les métiers spécifiques du RH, avec les comptables, les secrétaires, tout ce qu'il nous faut pour assurer la vie de la base aérienne. Nous avons aussi des métiers qui sont très proches de l'aéronautique, comme les moniteurs simulateurs de vol, et ensuite les métiers de communication. On a un volet qui est un peu plus spécifique à l'armée de l'air et l'espace, c'est le monde du renseignement. Le monde du renseignement, nous avons des métiers bien, bien proches de l'activité aéronautique, comme l'interprète image qui va s'occuper d'analyser l'imagerie spatiale, l'imagerie prise par les drones ou l'imagerie prise par les avions de chasse. Nous avons aussi des métiers d'écoute de linguistes et on part aussi sur des métiers plus spécifiques, scientifiques, d'analyse de signaux et de radar. Voilà. En termes de pilotes, bien sûr, l'armée de l'air a son recrutement de pilotes. Alors nous avons différentes possibilités en tant que pilote. Nous avons les pilotes de chasse, les pilotes de transport, les pilotes d'hélicoptère, et nous avons aussi un recrutement de pilotes à distance, les pilotes de drones. Donc là, nous avons deux modes de recrutement aujourd'hui. On a, dans un premier temps, la possibilité de présenter le concours de l'école de l'air après deux années de classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Cette école de l'air forme un cycle ingénieur, puis une formation spécifique aéronautique. Nous avons aussi également un recrutement pour les gens qui sont titulaires du bac, donc ce qu'on appelle les pilotes sous contrat. Les pilotes sous contrat sont des pilotes qui sont employés pendant 20 ans dans l'armée de l'air à piloter. Donc là, nous les recrutons dès le bac jusqu'à 27 ans. Le recrutement s'étend jusqu'à 27 ans. Où là, nous formons des pilotes qui vont piloter pendant 20 ans. Là, nous avons un mode de sélection qui se fait à tour, hein, une sélection qui dure 5 jours. 5 jours de test où on va tester leur habileté psychomotrice, leur résistance au stress, divers tests sur le simulateur, sur le contrôle palonnier, sur une épreuve de groupe, du sport et des entretiens de motivation. Donc c'est 5 jours de tests qui nous permettent de déceler des aptitudes bien spécifiques aux pilotes. Donc là, nous faisons passer les tests toute l'année et nous recrutons tout au long de l'année les pilotes. Voilà, donc ça c'est le deuxième mode de recrutement dans l'armée de l'air et l'espace. Ensuite, nous avons le recrutement des sous-officiers. Les sous-officiers sont là dans l'armée de l'air et l'espace pour assurer dans tous les gros domaines que je vous ai décrits, la maintenance, tout ce qui tourne autour de l'avion et tout ce qui fait fonctionner une base aérienne. Donc le recrutement, le point d'entrée, c'est toujours le CIRFA, hein. Pour pouvoir présenter ses motivations, être conseillé, orienté, et ensuite on vous envoie passer une batterie de tests qui vont sur deux jours dans un centre d'évaluation déceler vos aptitudes, tests psychotechniques, visites médicales, des épreuves sportives, toujours on est militaire, des tests d'anglais, et on finit toujours par dans des entretiens de motivation. Voilà. Donc en termes de recrutement sous-officier, aujourd'hui on est à environ 1500 postes annuels. Donc le recrutement s'étend de bac jusqu'à bac plus 3. Ensuite, nous avons des recrutements, ce qu'on appelle de militaires techniciens de l'air. Ce sont des recrutements sur des bases aériennes plus localisées, bien spécifiques, dans les grands domaines que je vous ai cités. Et là, on va étendre le recrutement du niveau 3e jusqu'à du niveau bac. Donc là, on a la possibilité de choisir son poste, la base aérienne qui exprime le besoin, et ensuite la même phase de sélection qu'un sous-officier pour intégrer l'armée de l'air et l'espace. Voilà. Merci beaucoup. Mais je ne vais pas vous lâcher, Monsieur Daran. J'ai deux petites questions avant de prendre celle du public. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des ARPET,
d'une part, et d'autre part, de l'école de mécaniciens de Rochefort, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, les relations au sein d'une carrière avec une évolution vers le civil. Oui, je comptais Merci. Aborder l'école de Saintes. On est tout proche d'ailleurs, et c'est une très belle école. L'école de Saintes, c'est une école de l'armée de l'air qui va dispenser une scolarité avec des professeurs civils, mais on va aussi nous former en tant que militaires, puisque nous avons une formation militaire, et nous amener à présenter soit un CAP aéronautique, option système, la possibilité de présenter un bac pro aéronautique, mais aussi un bac STI 2D, option SIN, et un bac avec des options scientifiques. Voilà. Alors on peut se vanter d'une très belle école avec une belle infrastructure et un bon taux de réussite qui nous permet ensuite de partir sur une formation à Rochefort sur des métiers, bien sûr, de la maintenance aéronautique. C'est un peu la vocation de cette école, hein, de former des techniciens, mais pas que, puisque nous avons aussi la possibilité de rejoindre les fusiliers commando, le contrôle aérien ou d'autres métiers. Voilà. C'est une très belle école qui a la particularité d'offrir le statut de militaire. Voilà. Et aussi l'avantage d'être rémunéré pendant ses études. On a bien sûr, dans la voie des classes prépa, j'en ai pas encore parlé, la prépa de Grenoble, l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble, qui est une CPGE scientifique qui prépare spécifiquement au concours de l'école de l'air. C'est une prépa donc à Grenoble. Là, on n'a pas le statut de militaire, hein, mais on a en tenue, on a les traditions militaires, l'environnement aéronautique pour préparer l'école de l'air. Voilà. Encore merci, monsieur Dahan, pour toutes vos précisions. Je reste encore sur ma dernière partie de question, à savoir, dans une carrière de pilote de chasse, l'évolution vers le civil, les relations avec de l'armée avec le civil. Oui, alors l'évolution vers le civil, il faut savoir qu'un pilote de chasse, il peut rentrer donc par cette voie pilote sous contrat, donc il est amené à faire 20 ans dans l'armée de l'air et l'espace. C'est vrai qu'au bout de 20 ans, il envisage généralement une reconversion. Là, la reconversion se fait par une aide à la reconversion, puisqu'on a des cellules adaptées sur les bases aériennes. Là, il envisage de travailler généralement dans l'aéronautique. Donc, avec sa licence, la TPL, et sa formation, et son nombre d'heures de vol, généralement, on les retrouve dans la sécurité civile, on les retrouve chez les grandes compagnies aériennes, et puis aussi dans les aéroclubs en tant qu'instructeur. Très bien, bah écoutez, je vous remercie, c'est très clair. Bien sûr, s'il y avait besoin de précision, le public ne manquera pas de poser les questions qui les préoccupent. Je vais passer la parole à Monsieur Pascal Bousco, donc DDFTP, il vous expliquera ce que c'est-à-dire chef des travaux, ce qu'on appelait chef des travaux dans les lycées professionnels. Là, il s'agit du lycée polyvalent Marcel Dassault, qui a donc des formations générales, technologiques et professionnelles. Le lycée Marcel Dassault, qui a une relation aussi avec l'Aérocampus, donc nos deux invités expliqueront aussi leur relation. Et je vais vous afficher. Alors, c'était le lycée Marcel Dassault, qui a des formations plasturgie. Là, je voulais montrer la relation au travers des entreprises entre la plasturgie, le composite et l'aéronautique. L'aéronautique, ce n'est pas que voler, c'est de la construction aussi, la fabrication. Peut-être que je reviendrai auprès de M. Dahan pour lui demander, dans le cadre de la construction, de la mise au point, s'il peut nous préciser, ingénieur de piste par exemple, pour illustrer au public les emplois civils dans l'armée. Mais à M. Bousco.
Merci beaucoup, Monsieur Durand, de nous avoir conviés à cette table ronde en tant qu'organisme de formation. Donc, je me présente, effectivement, je suis donc Laurent Bousco, je suis le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Marcel Dassault. Le lycée Marcel Dassault qui est situé donc à Rochefort-sur-Mer. Et ce lycée qui n'a jamais aussi bien porté son nom de l'avionneur Marcel Dassault depuis les années 2011, date de création de la première formation qui à l'époque était intitulée Bac professionnel technicien aérostructure, qui a maintenant évolué, mais ça on est voilà, dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. Donc je vous donnerai les nouveaux acronymes donc de ces formations. Le lycée Marcel Dassault, c'est un établissement qui a 35 ans. Je situe l'arrivée des formations aéronautiques à partir de 2011 pour le bac professionnel et 2016 pour l'étage du dessus, qui est le BTS aéronautique, qui lui a été créé donc en 2016 avec des partenariats très importants, puisque dès 2011, nous avons lié des partenariats avec l'institution, bien sûr, mais aussi nos partenaires de l'armée de l'air, et notamment le soutien très important de l'FCOA et de la base 721 de Rochefort-Saint-Aignan, de la base 722 de l'école de Sainte, qui nous ont mis beaucoup de moyens, qui ont mis beaucoup de moyens à notre disposition pour, je dirais, démarrer ces formations et nous acculturer à ces formations aéronautiques qui, malgré le nom de l'établissement, étaient nouvelles pour le lycée Dassault. Nous sommes actuellement, donc je vous parlais de la transformation de la voie professionnelle pour les jeunes qui souhaitent aujourd'hui s'orienter vers les formations de l'aéronautique au lycée Marcel Dassault. Ils entendront parler maintenant des familles de métiers de l'aéronautique, puisque suite à la classe de 3e, donc nous recrutons aujourd'hui des élèves de 3e vers une famille de métiers intitulée seconde famille des métiers, sans qu'il y ait, je dirais, une coloration sur le suivi, sur la continuité de la formation. Le bac pro aéronautique, puisqu'il est intitulé comme cela maintenant, aujourd'hui comporte 4 options. Cette option, elle est à choisir en classe de première. Et ces 4 options, parmi ces 4 options, le lycée Dassault ne propose à Rochefort que l'option structure. C'est-à-dire que, alors là, on remonte un petit peu à l'origine de la création de ce bac pro, puisque ce bac pro, il a été, je dirais, très demandé par la société Stelia, qui est basée à Rochefort, qui est depuis janvier maintenant Airbus Atlantique. Donc c'était vraiment une forte demande de cette société et d'autres sous-traitants, Metalchrome à l'époque qui s'est beaucoup investi dans la création de ce bac pro. Je dirais que de par les métiers qu'on retrouvait dans cette et qu'on retrouve aujourd'hui dans ce gros groupe qui est Airbus Atlantique, qui sont spécialisés vraiment dans la structure de l'avion, c'est-à-dire dans la voilure, tout ce qui compose aujourd'hui la structure de l'avion, on parle de voilure, de tronçon, de casse, de train d'atterrissage. L'option a vraiment été choisie en fonction des métiers qu'on pouvait retrouver sur le territoire et sur le tissu industriel autour de Rochefort. Maintenant, les 3 autres options sont disponibles, notamment du côté de Bordeaux. Mais voilà, aujourd'hui, Rochefort, lorsqu'un troisième souhaite passionner d'aéronautique, puisque ce sont vraiment des formations de passionnés, on retrouve beaucoup de passion dans ces formations. On accompagne cette passion avec, là aussi, nos partenaires, nos amis de l'armée de l'air, puisqu'ils proposent aux élèves entrant au lycée Marcel Dassault en seconde de passer le BIA, qui est quand même une acculturation à l'aéronautique très, très, très importante, qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Et ensuite, donc, ces métiers, donc, on les poursuit jusqu'en première et en terminale. C'est une particularité du lycée Marcel Dassault, le bac pro, qui est une formation en 3 ans. Chez nous, on propose une mixité de parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une mixité de parcours? Ça veut dire qu'un jeune qui choisit de venir en seconde, il aura une seconde et une première sous statut scolaire.
et en terminale, on lui proposera de passer en statut d'apprenti. Il aura le choix soit de poursuivre son parcours en terminale en voie scolaire ou de choisir effectivement un autre parcours qui est le parcours de l'apprentissage avec là aussi notre partenaire aujourd'hui Airbus Atlantique qui aujourd'hui propose entre 6 et 8 places pour les apprentis en bac pro de façon à ce qu'ils puissent finir leur parcours de terminale sous le statut de l'apprentissage. Donc ça, c'est une particularité du lycée Marcel Dassault. L'autre groupe, lui, eh bien, continuera par la voie scolaire et donc va poursuivre ses périodes de formation en milieu professionnel, puisque c'est obligatoire. Dans un bac professionnel, il y a aujourd'hui 22 semaines de stage, de période de formation en milieu professionnel. Il y en a 6 en seconde, 8 en première et 8 en terminale. Donc ceux qui choisissent effectivement ce parcours scolaire eh bien, feront en terminale leurs 8 semaines de période en formation professionnelle. Donc j'ai tout dit sur la partie, je dirais, bac pro. Une petite information en termes de recrutement. Nous sommes aujourd'hui liés effectivement là aussi, je dirais, à la rigueur des métiers de l'aéronautique. Nous sommes soumis à un recrutement spécifique, c'est-à-dire que vous devez remplir un dossier. Donc la procédure se fait via Felnet, mais vous avez en plus un petit entretien qui est donc réalisé avec les membres de la direction du lycée Marcel Dassault, mais aussi des représentants des industries, notamment Stelia, Metalchrome, mais aussi d'autres. Et à travers cet entretien, c'est pas un recrutement très... Mais on essaie quand même de jauger un petit peu quelles sont les motivations et de voir si vraiment la formation est en adéquation avec le profil du jeune. Donc voilà, ça c'était très, très important de le noter. Merci beaucoup, Monsieur Bosco. Alors, bien sûr, vous n'avez pas terminé. Je voulais juste prendre un petit peu la balle au bon sur le bac pro. Alors, comment on s'adresse ? Nous nous adressons à des futurs bacheliers à la fin de l'année, la plupart. Est-ce que, comme je l'ai rencontré dans ma pratique, et il est possible de se réorienter, est-ce que vous avez eu des exemples de bacheliers généraux ou d'autres bac pro qui se sont réorientés dans vos bac pro aéronautiques? Alors effectivement aujourd'hui on a ce qu'on appelle des passerelles. Il faut savoir déjà qu'un jeune, entre guillemets, je dirais, il a le droit à l'erreur. C'est-à-dire quand il postule une formation, il a 2-3 mois pour se poser des bonnes questions et voir s'il est à l'aise dans sa formation et effectivement, en fonction des places disponibles, bien sûr, demander à être réaffecté dans une autre formation. Donc ça, c'est l'élève qui arrive en seconde et qui voilà, a cette possibilité-là. Pardon. En première, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle une passerelle, qui est là aussi malheureusement soumise à la place disponible dans la formation, mais qui est tout à fait possible. Et un élève aujourd'hui de seconde ou de première générale peut réintégrer un bac professionnel en première. Ça, c'est aussi important. Et nous en avons un. Vous n'avez pas eu de terminal ou même de bachelier qui... Non, aujourd'hui, vocation tardive. Non, sont vraiment des secondes premières qui reviennent dans un cycle... voilà. D'accord, donc pour les BTS. Alors pour le BTS, donc le BTS c'est 2016. Alors là, le bac pro, on forme des gens de terrain. On les appelle d'ailleurs dans le jargon, on forme des compagnons, c'est-à-dire des gens qui vont travailler sur aéronef ou des parties d'aéronef. Donc ils vont assembler des parties, puisqu'on est nous dans la partie structure. Donc ce sont des gens entre guillemets de terrain. On a souhaité, nous, à Dassault, offrir à ces jeunes une possibilité
de poursuite, hein, de continuité dans l'aéronautique. Et donc en 2016, toujours avec nos partenaires, hein, parce que sans eux, aujourd'hui, voilà, hein, on n'est pas grand-chose. Hein, le travail d'équipe, l'enrichissement, les échanges permanents que nous avons avec nos partenaires industriels, partenaires de la base, le musée aéronaval de Rochefort, qui est très important pour nous. Il y a l'histoire, il y a l'expérience. Donc tous ces partenaires nous font grandir et grâce à eux, en 2016, nous avons donc proposé et mis en place la formation du BTS aéronautique. Le BTS aéronautique, on est bien clair sur sa finalité. Hein. Le BTS aéronautique n'a pas vocation à former des jeunes qui feront des tâches, des travaux sur aéronef. Hein, on sait que un aéronef, on ne touche pas un aéronef comme ça, hein, sans avoir une habilitation, sans avoir des règles très précises. Hein. Donc, on a souhaité mettre en place cette formation pour proposer une autre alternative, c'est-à-dire de travailler dans ce qu'on appelle les fonctions support, hein, dans l'aéronautique, et notamment toute la partie préparation. Réglementation, hein, ce sont des jeunes qui doivent maîtriser la réglementation aéronautique, qui doivent maîtriser bien évidemment la technologie de l'aéronef, mais aussi tous les moyens aujourd'hui, et notamment la rédaction des cartes de travail, hein, de façon à ce que le travail soit fait, le travail soit, je dirais, préparé, hein, pour que des gens habilités puissent, entre guillemets, hein, si je prends un exemple, préparer l'avion, hein, le plus rapidement possible. Hein, donc ça va être acheminer la bonne personne avec le bon matériel, hein, sur un aéroport pour que l'avion puisse redécoller le plus rapidement possible. Hein, donc ça, c'est valable pour la partie maintenance, ce travail de préparation, mais il est aussi valable dans le cadre de la fabrication de ces aéronefs, hein, puisque aujourd'hui, on fabrique un aéronef à partir de règles, à partir de procédures qui sont très spécifiques, et on a besoin de référentiels, on a besoin de cartes de travail, on a besoin de procédures, hein, qui sont qui peuvent être entre autres réalisées par ces BTS. Voilà. Je voulais juste tout à l'heure revenir sur, quand on parlait du recrutement et le fait qu'un élève se sente bien dans cette formation, il y a bien évidemment la motivation, il y a la passion, hein, de l'aéronautique. Il y a aussi un critère qui est très important, c'est le savoir-être. Hein, on est vraiment là dans des formations où le savoir-être prend vraiment... C'est quelque chose d'important. Et nous, cette notion de savoir-être, hein, on l'inculque dès l'arrivée des jeunes, hein, puisque là aussi, encore une fois, en partenariat avec la base aérienne, nos jeunes, donc issus de 3e, vont faire un petit parcours, donc sur la base aérienne de Rochefort pendant 3 jours, hein, donc où on leur montre vraiment la partie sécurité en vol, cette partie où ils doivent être tout de suite sensibilisés à l'importance, hein, de dire ce qu'ils font et surtout de dire ce qu'ils n'ont pas fait, hein, pour ne pas qu'il y ait des complications, hein, puisqu'on sait très bien qu'un avion, il a du mal à se garer là-haut, hein, pour pouvoir survenir à un aléa. Hein, donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une transparence, une confiance et puis un savoir-être qui est complètement en adéquation avec la réglementation aéronautique. Sachant que traditionnellement, et malheureusement les faits le confirment, on parle de 80% des accidents dus à des facteurs humains, c'est-à-dire au non-respect des procédures, aux à peu près, aux négligences, voilà, aux raccourcis, aux initiatives prises sur des procédures qui semblent relever d'une réglementation parfois abstraite, mais qui en fait sont issues de l'expérience, du retour d'expérience des accidents et de la conception par les ingénieurs. Je vous remercie beaucoup, monsieur Bousco. Bon, on reviendra aussi vers vous. Mais juste pour terminer avec vous, en fait, j'ai moi un exemple. Je connais quelqu'un qui s'est présenté au recrutement pilote de chasse avec un bac pro maintenance aéronautique. On lui a dit, l'armée de l'air reconnaît le bac pro comme un bac tout à fait légitime, mais pas pour pilote. Revenez avec un BTS. Donc il est revenu avec un BTS, il a été recruté, il était macaroni, pilote de chasse à Tours, etc.
Ceci dit, dans le savoir-être, il a arrêté après parce que la vie en escadron n'était pas faite pour lui. Donc, bon, c'était un petit peu spécial de ce côté-là. À propos de la relation militaire-civile, tout à l'heure, j'ai posé la question à M. Dahan, donc de la reconversion dans le civil des militaires, qu'ils soient d'ailleurs pilotes ou non pilotes, sur la base des compétences qu'ils ont pu développer, des expériences exceptionnelles qui sont réservées en fait aux militaires. On a aussi des emplois civils sur les bases aériennes dans le domaine aéronautique, puisque un avion étant de très haute technologie, la relation avec l'industrie doit être très étroite. Et est-ce que vous avez quelques données, par exemple, sur les ingénieurs de piste? Est-ce que vous pouvez nous en parler, dire un mot? Oui, en effet, on n'a pas que des militaires qui travaillent sur la base aérienne. On a des civils. D'ailleurs, on a environ 5000 civils qui composent l'armée de l'air et l'espace. Donc, bien sûr, on a des ingénieurs, et spécifiquement des ingénieurs aéronautiques civils qui vont travailler dans le développement et dans la phase d'expérimentation, généralement sur l'avion avant qu'il soit mis en service, ou les évolutions possibles quand un avion est mis en service. Il n'est pas forcément développé pour tous les types d'emplois militaires, et au fur et à mesure, on va, je prends l'exemple de la 400M, notre avion de transport, au fur et à mesure lui donner des données techniques pour pouvoir se poser en terrain sommaire ou faire un largage parachutiste ou autre. Et au fur et à mesure, on va avoir ce développement et ce lien avec les ingénieurs civils pour pouvoir développer la machine et l'adapter un petit peu aux contraintes du militaire. Merci, Monsieur Dahan. Il va être le moment de passer la parole à Monsieur Pascal Renaud d'Aéro Campus de l'Académie de Poitiers. Oui, je vais vous prendre la télécommande. Je vous remercie, Monsieur Durand, pour l'invitation. Alors voilà, Pascal Renaud, bonjour, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique Nouvelle-Aquitaine. Donc le campus, il a été initié la première fois le 30 janvier 2015. Il est labellisé et plus récemment labellisé le 4 février 2021 pour 5 ans. Un campus s'est porté par une académie et une région. Donc, dans notre cas, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, pour les départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'aéronautique. J'avance. Voilà, en général, sur les départements. Donc, aujourd'hui, ça représente plus de 9000 emplois. On a environ 120 acteurs, entreprises qui sont liées au domaine aéronautique civil et militaire. Et on voit que le chiffre d'affaires total, donc pour ces quatre départements, ça représente déjà plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était effectivement des données avant la pandémie. Donc, effectivement, il faut revoir ça un tout petit peu à la baisse. Alors, le campus, aujourd'hui, c'est 2500 apprenants. C'est plus de 30 centres de formation. Donc, on retrouve les lycées professionnels, les écoles en lien, comme on l'a vu, avec l'armée de l'air et de l'espace, notamment l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, l'école des sous-officiers de Rochefort. C'est aujourd'hui des liens privilégiés avec 40 entreprises partenaires. Donc, toutes les entreprises ne sont pas encore partenaires. Ça veut dire que voilà, leur recrutement, leurs besoins ne le font pas forcément remonter via les établissements scolaires ou les centres de formation. Donc, c'est encore une possibilité pour eux de se faire connaître. Et donc, nos domaines de formation,
On voit l'aéronautique au sens large, ça veut dire qu'on intègre également la sous-traitance industrielle, donc la gestion de la maintenance industrielle, les génies mécaniques et productiques. On appelle également les systèmes embarqués, électroniques, électrotechniques. Voilà, pour couvrir aussi quelques domaines industriels que certains sous-traitants aéronautiques ont également. Donc au niveau de nos établissements, le réseau d'établissements scolaires, donc on a 6 lycées. J'ai l'établissement support. En fait, voilà, le campus est rattaché à un établissement support qui est le lycée Marcel Dassault de Rochefort, qui est mon établissement le plus aéronautique, si on dit comme ça. Donc on voyait, le lycée Réaumur à Poitiers, 2 lycées sur Châtellerault dans la Vienne, le lycée Branly, le lycée Le Verger. On a un lycée professionnel Gaston Barré à Niort et voilà, 2 établissements donc liés avec l'armée de l'air et de l'espace. Et pour ce qui vous concerne plus directement, il y a également les IUT, les universités et les écoles d'ingénieurs. Donc on retrouve l'université de Poitiers et de La Rochelle, les IUT, donc Angoulême, Niort, Poitiers, Châtellerault, et 2 écoles d'ingénieurs, l'ISAE ENSMA, l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique, donc à Chasseneuil-du-Poitou, et le IGSI à La Rochelle. On compte également dans ces centres de formation des laboratoires de recherche. Donc on a notamment l'Institut P' qui fait des recherches sur tout l'aérodynamisme et également donc Rescol sur plutôt les matériaux et les nouveaux matériaux de l'aéronautique. Donc, là, voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, ce que je peux vous dire vis-à-vis de la situation actuelle, c'est que voilà, on va dire que le plus mauvais de la pandémie est quand même derrière nous. La défense a été peu touchée pour sa part, a continué de fonctionner. L'aviation civile, elle, bon, est toujours en attente de reprise des vols commerciaux et des vols d'affaires. Donc, mais néanmoins, voilà, on a pour quelqu'un qui suivrait un BTS, à horizon 2 ans, on commence déjà à voir, par exemple, un industriel du bassin Rochefortais nous annonce déjà qu'il peut y avoir 350 besoins en recrutement d'ici 2 ans. Donc sur des métiers d'opérateur, de suivi de production, donc typiquement qu'on peut, ou en conception. Donc des métiers que fournit le lycée Marcel Dassault avec son BTS, que fournit les IUT, l'université avec des bacs plus 3. Donc déjà, on est sur un type de besoin fort et déjà en pénurie pour cette filière. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc globalement, les défis qui se posent à l'aéro et donc le campus va y répondre en augmentant en compétences, c'est effectivement de répondre au renouvellement et à l'attractivité de la filière. Donc, renouvellement, ça va être effectivement l'aspect de résilience vis-à-vis de la pandémie, de créer une nouvelle chaîne de valeur avec l'aspect écologique qui revient, transformer son modèle de production. Donc, se rapprocher au plus près de ce qui se fait dans l'automobile, hein, avec des productions tirées en lean manufacturing. Voilà, donc tous les aspects du numérique. On peut d'ailleurs vous annoncer qu'effectivement, en lien avec le partenaire, le campus a reçu une subvention au profit du lycée Marcel Dassault pour des équipements à la pointe. On veut effectivement que dans 2 ans, les apprenants sortent avec les meilleurs outils qui sont demandés par la filière.
Donc aujourd'hui, on a comme ça eu une très grosse subvention du GIFAS, donc du groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, pour des machines de fabrication additive en composite, pour notamment également les éléments de CFAO, qui est la 3D expérience de Dassault Systèmes. Donc voilà, on met tout en œuvre pour que les apprenants qui vont choisir la filière aéronautique correspondent aux besoins de la filière au moment de leur sortie. Et voilà, en tirant effectivement le renouvellement et l'attractivité de la filière au plus possible. Merci beaucoup, Monsieur Renaud, pour ces grandes lignes, ces repères tout à fait indispensables pour la perspective de rebond de l'industrie aéronautique, dont on peut dire qu'elle a déjà, permettez-moi l'expression aéronautique, un vario positif. Le variomètre étant l'instrument qui mesure la vitesse ascensionnelle, la vitesse verticale, pardon, est-ce que l'on monte ou est-ce que l'on descend. Et il suffit que cette aiguille dépasse le zéro ou même légèrement pour penser qu'on a déjà un vario positif, même si ce n'est pas une grande vitesse ascensionnelle. Pour ce qui est de la précision que vous nous avez donnée en passant, Monsieur Dahan, sur l'intitulé de l'armée de l'air, qui est relativement nouveau, il a été agrémenté de armée de l'air et du spatial. Le spatial, bon, tout le monde connaît Thomas Pesquet maintenant. On pense au spatial comme étant vraiment une source, même aussi industrielle, une source de pas seulement de science-fiction, vivre sur une autre planète, mais au moins en tirer quelques ressources, utiliser l'apesanteur pour mieux comprendre la vie sur Terre, pour peut-être mieux produire aussi, avec moins de ressources, plus efficacement. Et donc on est sur... pour l'armée, notamment, sur une prise en compte globale de l'univers, on peut dire, hein, donc aéronautique, c'est l'air et le spatial. Concernant donc les implications en termes de formation, tout à l'heure, je refaisais une requête sur nos bases de données. On a en liste 157 formations avec le mot-clé aéronautique. On parlait tout à l'heure du point de départ des baccalauréats professionnels. On peut inclure aussi les CAP carrosserie-peinture, peinture en carrosserie, puisqu'évidemment les pièces de fuselage, pardonnez-moi l'hésitation, mais je cherchais la précision, les pièces de cellules sont peintes, mais pas que, il y a aussi des pièces de moteur, si vous pouvez préciser, Monsieur Renaud, ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, sur en fait la spécificité d'une formation en peinture aéronautique. Oui, on a un établissement, donc le lycée Gaston Barré à Niort, qui fait une mention complémentaire pour adapter les peintres en carrosserie pour qu'ils deviennent peintres aéronautiques. Mais voilà, bien sûr, c'est une formation qui couvre tous les besoins, notamment le fait que certaines pièces mécaniques ont besoin d'être peintes, des pièces de transmission, et d'être masquées, etc. Et c'est un savoir-faire particulier, que c'est rare qu'on peint dans l'automobile les moteurs, alors que les pièces aéronautiques, il y a des vrais critères de durabilité, d'anti-rouille, vis-à-vis qu'elles sont avionnables, comme vous dites, c'est plus difficile de s'arrêter sur le côté en cas de défaut mécanique. Donc il y a ce besoin, et au fur et à mesure que les besoins remontent d'industriels, on met des nouveaux outils à disposition et on forme des nouveaux apprenants pour répondre à ces besoins. Merci, Monsieur Renaud. Et en fait, dans ma tête, je pensais notamment, à propos des 157 formations, à toute une déclinaison, alors de licence professionnelle et puis de master. Et dans les masters, on a
notamment des masters en recherche de traitement des matériaux qui sont applicables à la qualité aéronautique, qualité qui est chère mais qui est indispensable puisque, on l'a encore dit, on ne peut pas tirer le frein à main sur un nuage pour soulever le capot. Le traitement de surface, les nouveaux matériaux sont des domaines d'excellence, des domaines de formation initiale qui peuvent tout à fait être choisis sans être spécialement estampillés, identifiés aéronautiques, mais qui sont tout à fait transférables et employables dans des emplois de l'aéronautique. Est-ce que M. Bousco, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais compléter. Merci, M. Durand. Je voulais revenir effectivement sur votre introduction. Vous avez parlé des matériaux composites et des diplômes de formation. Le lycée Marcel Dassault, à l'origine, il n'était pas destiné à l'aéronautique, malgré le nom, bien évidemment. C'était le lycée de la plasturgie et des composites. Et les composites, c'est un terme aujourd'hui qu'on retrouve, c'est essentiel dans l'aéronautique, puisque le composite, c'est un matériau léger. Et aujourd'hui, tous les secteurs de transport sont vraiment très intéressés par ces matériaux haute performance que sont les composites. Donc c'est à partir de là aussi que le lycée Marcel Dassault a pu se positionner sur cette fameuse formation Bac Pro Aéronautique Structure, puisque nous avions une forte expérience de ces matériaux qui aujourd'hui se sont généralisés dans la construction d'aéronefs. J'en veux pour preuve la 350 qui aujourd'hui est quasiment à 50-50, 50% donc de matériaux composites. Donc effectivement, c'est cette valeur ajoutée que nous avons apportée au lycée Marcel Dassault et que nous avons aussi partagée, parce que je parlais de partenariat tout à l'heure avec la base aérienne. Nous avons pris toute l'expertise des bases aériennes dans les métiers de l'aéronautique, mais nous avons aussi échangé et pu apporter à ces mêmes partenaires notre culture dans les nouveaux matériaux, que ce soit dans la construction ou dans les réparations de structures composites. Donc là aussi, c'est important. Et le lycée Marcel Dassault aujourd'hui, c'est le bac pro aéronautique option structure, mais c'est aussi le bac professionnel plastique et composite, donc orienté bien évidemment vers les métiers du nautisme, qui sont aujourd'hui très présents autour de Rochefort, mais aussi aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique avec des entreprises, des filiales de Stelia, notamment à Salone, qui sont spécialisées dans la fabrication de pièces en matériaux composites. Et là aussi, bac professionnel, plastique composite, et en continuité, un BTS, qu'on appelle le BTS Europlastique et Composite, qui là aussi permet à des jeunes de travailler dans le domaine du composite et dans l'aéronautique, bien sûr, mais pas que. Et en parlant du nautisme, vous me rappelez que je pensais livrer au public la notion de transfert de compétences. On peut tout à fait se former dans un des domaines aéronautiques ou nautiques et avoir bon espoir de changer de domaine, sachant que à la base, il y a le même milieu d'évolution qui est le fluide. On ne va pas parler d'eau ou d'air, on va carrément parler de fluide. Et que ce sont les mêmes lois avec des facteurs différents, mais la mécanique des fluides qui régit en termes de portance et de traînée, 1,5 de rho V2, SCX, SC carré, les SVZ, pardon, qui régit donc la portance et la traînée, et qui permet d'ailleurs de faire des simulations de cellules de gros aéronefs, mais à une échelle inférieure en piscine, et de diviser par 1000 les effets observés pour avoir une approche des effets que l'on aurait dans l'air. Voilà donc la mécanique des fluides, et qui permet une transférabilité en termes de connaissances et compétences d'un domaine à l'autre, transférabilité d'évolution et d'employabilité. Pourquoi Europlastique, monsieur Bousco ? Alors, Europlastique, alors le diplôme a évolué. Nous, tous les 5 ans, on a cette capacité à faire évoluer les diplômes. Mais Europlastique, il est important parce qu'il y a le terme euro. Et euro, c'est un,
c'est un référentiel commun en fait, hein, donc à l'ensemble des formations donc qui sont réalisées donc au niveau européen. Et chez nous, ça se traduit au lycée Marcel Dassault par la possibilité qu'on offre aux étudiants en fin de première année de BTS de partir durant 9 semaines. Donc dans un pays de l'Europe, hein, pour y effectuer donc un stage en entreprise, hein, et acquérir comme ça non seulement une technicité, mais aussi améliorer la communication en langue, qui est vraiment là aussi, hein, primordial, mais là dans tout métier, hein, voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une vraie valeur ajoutée, hein, parce qu'on a aujourd'hui des partenaires, hein, qui sont bien identifiés. Je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un petit frein au niveau de la mobilité des jeunes, hein, parce qu'on a plus d'offres aujourd'hui, hein, que de volontaires pour effectuer ces stages à l'étranger. Et voilà, y a pas de, le financement est prévu, hein, c'est, y a vraiment un zéro reste à charge par l'étudiant, mais voilà, on a aujourd'hui, voilà, c'est une question qu'on se pose, comment on peut aller au-delà de cette barrière-là qui, pour les jeunes aujourd'hui, est de se lancer, hein, et puis de partir comme ça à la découverte. Voilà. Merci Monsieur Bousco, le message est passé sur un appel à la mobilité qui sera vraiment une garantie d'élargissement des compétences, des horizons et donc de l'employabilité, puisque au final c'est quand même ce qui intéresse chacun, c'est d'avoir un emploi, de s'épanouir aussi dans cet emploi et d'avoir une autonomie financière, bien sûr, économique. Nous avons une question du public, c'est quelle est la part des femmes dans l'aéronautique? Est-ce que je peux commencer par vous, Monsieur Dahan, aéronautique militaire? Écoutez, on peut se vanter, l'armée de l'air et l'espace, d'avoir un taux de féminisation qui dépasse les 23%. Toutes spécialités confondues. Donc on est une armée la plus féminisée, et la part de voilà, tous les métiers sont accessibles dans l'armée de l'air et l'espace. Très bien, je vous remercie. Sachant que par contre les femmes au combat de pilotes de chasse, c'est quand même assez récent. Je crois que la première c'était Caroline Aigle. Et par contre. Oui, 23%, c'est un beau score. On peut peut-être faire mieux, certainement, mais c'est déjà pas mal. On évolue, hein. On évolue à la hausse. Monsieur Bousco ? Oui, dans le cadre de la formation, je dirais que la part, c'est aléatoire. Hein. On peut aller de zéro, hein, bien évidemment, à 30%. Ça représente à peu près sur, je dirais, 3-4 filles dans une promotion de 12. Voilà, mais effectivement, on a des années sans. Alors, on a quand même fait le constat, c'est que on a beaucoup plus de jeunes filles en BTS, hein, qu'en bac pro. Hein, on a une technicité en bac pro qui freine un petit peu, voilà, la présence de jeunes filles dans les formations. Et pourtant, voilà, elles ont toutes les compétences. Hein, ce ne sont pas des métiers où on a besoin d'une force physique, etc. On a beaucoup plus besoin d'application, hein, de rigueur, de finesse, voilà, hein, tout ce qu'on peut avoir, hein, chez ces jeunes filles, au même titre que chez les jeunes garçons. Croyez bien que les psychologues de l'éducation nationale, éducation, développement, orientation, les anciens conseillers d'orientation psychologue, pardon, avec les professeurs principaux, nous travaillons à la mixité des métiers, à l'égalité des chances et à la lutte contre les stéréotypes, les métiers macho ou masculins, et les métiers plutôt roses, féminins. Ceci dit, voilà, les stéréotypes, on la vit dur, on la dent dure aussi, ils sont parfois un peu cruels. Ils reviennent souvent malgré un travail que l'on a fait, par exemple par les parents qui ont tendance à dire « Oui, alors tout ça c'est bien, mais vous n'auriez pas un métier pour ma fille ?» Bon, et Monsieur Renaud, avez-vous un élément de réponse sur l'emploi féminin dans les formations dont vous avez parlé ? Oui, comme il a été dit, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir la parité,
Pour l'instant, on ne l'a pas. Je crois qu'elles ont pourtant un très bon accueil. C'est effectivement de faire évoluer les mentalités. Il y a des associations, notamment Elle Bouge, qui est notamment aussi des équipementiers de rang 1, comme Thales, qui font des marraines pour effectivement essayer d'accompagner des jeunes apprenantes pour les aider à aller dans l'aéro. Donc on va continuer de développer toutes ces initiatives. Le campus voilà, est aussi ouvert à aider toutes les apprenantes pour aller faire des visites d'entreprise, faire découvrir le métier. Ça fera peut-être le biais d'une chaîne YouTube où on valorisera ça aussi, on les montrera en aérostructure notamment. Hein. Le lycée Marcel Dassault avait une photo à l'époque qui montrait en aérostructure une apprenante, donc on n'hésitera pas à bien montrer que ça existe et s'épanouisse également dans l'aéronautique. Très bien, je vous remercie. C'est d'ailleurs un principe quasi pédagogique du site onicep.fr dans ses capsules vidéo, de prendre un peu le contre-pied des stéréotypes et de montrer des femmes là où on s'attend à ce qu'il y ait des hommes. Ceci dit, la meilleure idée, c'est de montrer des hommes et des femmes et des hommes travaillant ensemble, hein, plus que de prendre le contre-pied qui aurait tendance à déséquilibrer aussi les représentations dans l'autre sens. Une autre question, quel est l'emploi après le BTS? Monsieur Bousco, avez-vous une idée si un but est prévu? Alors, en ce qui concerne le but, hein, qui est en fait aujourd'hui dans la continuité des DUT. Hein, et en parallèle, une licence professionnelle. Voilà, une licence professionnelle. Aujourd'hui, non. Demain, certainement. Hein, mais aujourd'hui, on va retrouver des buts qui sont, de toute façon, qui rentreront, hein, dans les métiers liés à l'aéronautique, hein, avec les notions de numérique, d'électronique, etc. En ce qui concerne l'emploi, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les BTS, ce sont des préparateurs. Ce sont des gens qui se destinent aux métiers support, hein, qu'on appelle les métiers support, des préparateurs, hein, de travail, des préparateurs dans le domaine de la maintenance. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, un BTS, hein, nous, on a aujourd'hui le 2016, on a à peu près 5 promotions qui sont sorties. On fait des points très précis, hein, on fait du suivi, hein, parce que c'est très important aussi de savoir ce qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de nos élèves qui, après le BTS, sont en poursuite d'études. Hein, soit vers une prépa ATS, hein, qui leur permet après de rebondir vers une école d'ingénieur, soit vers une licence, hein, qui leur permet d'avoir des habilitations, parce que certains souhaitent vraiment travailler sur aéronef, et auquel cas ils ont l'agrément, ils ont l'habilitation, ou des mentions complémentaires. Hein. Donc voilà en fait les poursuites d'études qui sont offertes et qui aujourd'hui, je vous dis, représentent 70%, voire 80%, De nos élèves. Là, en temps de pandémie, on a vraiment remarqué que c'est ce qui est un peu normal, hein, que les élèves, eh bien, avec cette crise-là, se sont vraiment orientés vers la poursuite d'études à un pourcentage vraiment très, très important. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, jusqu'à 4/5 de poursuite d'études après le BTS. Et une perspective de but. Très probablement un bachelor universitaire de technologie qui sera décidé prochainement. Nous allons ouvrir les questions à la salle. Vous pouvez, si vous avez une question, demander le micro qui va vous arriver. Que ce soit dans le domaine civil ou militaire. J'en profite pour vous inciter, dans la continuité d'ailleurs de l'intérêt de ces forums et salons et autres réunions centrées sur l'information, sur les métiers, sur l'orientation. C'est alors bien sûr de prendre dans ce bain d'informations tout ce que vous pouvez prendre, de vous imprégner de la culture de l'orientation, des questionnements,
Mais il y a un moment où il faudra faire le bilan sur les réponses. Et bon, vous le faites en famille, avec les amis. Vous avez aussi des professionnels, donc les psychologues de l'éducation nationale. D'ailleurs, en permanence à l'université, pour ceux qui, celles et ceux qui y sont déjà, et bien sûr dans vos lycées ou pendant les vacances scolaires, dans les centres d'information et d'orientation. S'il n'y a pas de questions, je peux vous remercier, donc Monsieur Bousco, Monsieur Daran et Monsieur Renaud, vraiment très vivement pour votre présence et votre participation très pointue.